Invité. Nous sommes encore. Nous allons prendre encore deux minutes. Juste 2 minutes pour inviter le peuple de Dieu. Invité. Faites inviter. Nous sommes encore là. Une minute pour débuter notre émission. Nous allons prier. Nous remercions notre Dieu par cette chanson. Tu n'as pas changé. Merci. Shalom, maman Marie-France Elonga. Que Dieu te bénisse là où tu es. Invitons le peuple de Dieu. Il est notre heure de et comprendre ce que c'est l'argent et ce que dit la Bible, ce que Dieu nous recommande, ce qui a été dit. Et l'argent, et pourquoi donnerons-nous l'argent ou ne nous donnerons pas l'argent? Nous repèsons un bon mot, nous repèsons sa tête. On a dit ça, pourquoi nous donnerons l'argent et pourquoi nous ne devons pas, dans certains cas, ne pas donner l'argent. Mais nous allons ouvrir la mémoire de tout un chacun pour ces moments bien coordonnés pour que nous puissions comprendre que Dieu aime son peuple. Alléluia. Sois béni, ma petite Nicole Lombo, là où tu es. Zambé Apambolayo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'il soit pour toi le partage de chaque jour, chaque matin, qu'il renouvelle ses grâces. Et l'homme, on a essayé, sans qu'il toque, n'a pas été.
De comprendre les Écritures. Je bénis mon frère Godet Milnyama, là où tu es, que Dieu te bénisse. Faites inviter le peuple de Dieu afin que nous puissions partager cet enseignement qui est vraiment, vraiment la clé de tout problème aujourd'hui. On attend les pasteurs, on attend ceci, on attend comment les gens sont entrés parce qu'il y a tellement d'escrocs, il y a tellement de gens, de pasteurs du ventre. Il y a tellement de choses qui se passent tout autour de l'argent. Mais on va essayer aujourd'hui de parler de l'argent dans l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Si je le dis parce que au Béni de Bethel, dans notre assemblée, nous avons eu cet enseignement et nous appliquons l'enseignement comme tel. L'Église, ce n'est pas un lieu là où on peut refuser les gens de venir, mais un lieu là où on accueille le peuple de Dieu, sans argent ou avec argent. Si tu n'as pas, tu vas toujours à l'église parce que c'est un lieu qui est sacré, c'est un lieu qui est destiné à rencontrer ton Dieu, à prier, à présenter tes supplications à l'Éternel. Quand on met de problèmes, de contraintes avant toute chose, avant la simplicité, avant l'humilité, avant la grâce. C'est là où on sort de la logique, on sort de la loi, même pas une loi, mais on sort de la doctrine de Jésus. Christ de Nazareth, notre Dieu ne nous demande pas plus mieux, il nous demande que juste d'avoir nos cœurs disposés à l'écouter, nos cœurs disposés à faire du bien. Car c'est un Dieu qui est un Dieu amour, c'est un Dieu qui ne donne que l'amour. Quand tu es avec lui, tu ne manqueras de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler ce soir, ce qu'il faut connaître de l'argent, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on parle de l'argent, on parle de la dîme, on parle de l'offrande et on parle également, on parle de l'action de grâce. Il faut comprendre ces trois choses. Et nous allons partager et expliquer pourquoi la dîme, pourquoi l'offrande et pourquoi l'action de grâce. Faudra-t-il donner ou ne pas donner? C'est à nous maintenant de voir. Après cet enseignement, nous serons fortifiés, nous serons édifiés et nous comprendrons s'il faut donner et s'il ne faut pas donner. Il y a tellement d'abus et nous allons simplifier le peuple de Dieu de connaître cet enseignement et
de pousser le peuple de Dieu à aller beaucoup plus dans les églises avec ce qui est écrit, respectant la parole de Dieu. Nous, si nous parlons de l'argent, et c'est là, c'est pose, c'est parle, c'est dit, pourquoi donnerais-je l'argent à un pasteur? Pourquoi donnerais-je l'argent à un homme de Dieu? Parce que c'est son argent, ce n'est pas l'argent de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas... Non. Quand tu donnes au pasteur, quand tu donnes à l'Église, ce n'est que la représentation de Dieu et que cela doit se faire conformément aux Écritures. La dîme, l'offrande et les actions de grâce. Aujourd'hui, nous allons commencer par ce qui est vraiment capital, ce qui se dit, ce qui fait que il y a d'autres pasteurs qui font la liste des gens qui obligent, qui vont même chercher les 30, comme on est le premier du mois comme ça, les pasteurs vont à la maison, vont dans des foyers des gens pour récupérer leur salaire. Le 1/10, ils n'ont pas la honte, ils se gênent pas, ces genres de pasteurs, parce que j'ai entendu et je sais des témoignages des gens. Il y a des pasteurs qui font la liste et si tu ne donnes pas, on te cite devant les gens. Donc on te pousse de quitter cette église parce que tu n'as pas l'argent. On te dit que non, ben, la dîme, comme tu travailles, tu dois donner la dîme. Tu dois donner la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde là où nous avons tous des problèmes, mais cela doit se faire avec un cœur disposé. Il ne faut pas que ça devienne une obligation. Et nous allons comprendre cela par les Écritures. Alors, je demande que le Saint-Esprit soit avec nous tous et le Saint-Esprit donne-nous la capacité d'écoute. Le Saint-Esprit donne-nous la capacité de discerner la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Nous ne pouvons donner à Dieu ce qu'il est, puisqu'il est le créateur de l'univers. Nous le savons. Et tout ce qu'il contient, ça appartient à Dieu. Tout lui appartient, donc, depuis toujours, nos corps et nos esprits, même tout ce que notre vie est un don de Dieu. Tout est à Dieu. Le monde et les hommes et ceux qui y vivent, les êtres comme les arbres, tout ça appartient à l'Éternel. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que Dieu est riche, riche et riche et riche. Dieu ne demande pas à un homme, je te donne l'argent pour créer ou donner à une telle personne ou bâtir une église, puisque tout lui appartient. Nous allons tout d'abord parler de ça. Tout appartient à l'Éternel. Il faut respecter tout d'abord cette option de dire tout appartient à l'Éternel. Tout, notre vie appartient à l'Éternel. L'Église appartient à l'Éternel. Le pays, tout appartient à l'Éternel. Alors, nous allons commencer notre enseignement par le psaume 21. Le psaume 21, verset 1, nous dit, le psaume 24, verset 1, nous dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout cela appartient à l'Éternel. Sois béni, ma sœur Roselle Lumenga, là où tu es, que Dieu te bénisse. » Au psaume 50, la Bible nous dit, encore une fois,
de comprendre. Psaume 50, versets 7 à 12, la Bible dit, « Écoute mon peuple, je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Tout et tout et tout appartient à l'Éternel. Je dis bien tout appartient à l'Éternel. Quant à ce, pour dire maintenant, l'argent, dans le livre de Agée 2, verset 8, la Bible nous dit, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Nous voyons que tout lui appartient. Dans le livre de Romains 11, verset 35, la Bible dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Il nous a tout donné. C'est lui qui nous a donné le premier. Et nous, nous n'avons rien, rien. Là, jusque-là, les gens se disent non. Moi, j'ai tout, donc je ne dois à personne. Mais tu dois à ton Dieu, celui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné. Il dit bien, l'argent m'appartient. L'or m'appartient. Si tu as l'argent, dis-toi que cet argent appartient à Dieu. C'est Dieu qui te l'a permis d'avoir l'argent. Mais nous voyons bien, la Bible le dit, et Satan fait miroiter aux gens que c'est lui qui donne, rapidement même. Tu vas voir Satan aujourd'hui, tout de suite, il y a la solution. Mais avec Dieu, c'est avec le temps qu'il va te donner, parce qu'il veut te donner quelque chose que tu prendras aussi. Tu prendras ça avec importance, tu prendras vraiment avec assiduité, et tu respecteras ses dons qu'il va te donner. S'il te donne, il te donnera aussi la capacité de distribuer, de donner aussi aux autres qui n'en ont pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons aujourd'hui les gens qui ont l'argent deviennent égoïstes, très très égoïstes même. Comme la Bible le dit, au dernier temps, les gens deviendront égoïstes, assoiffés de l'argent. Il n'y a plus d'amour. Essayons un peu de connaître ce genre de personnes. Est-ce qu'ils sont, ils ont gagné cet argent normalement ou honnêtement? Ou c'est Dieu qui leur a donné? Non, je ne pense pas. Quand vous verrez quelqu'un qui est chiche avec l'argent, une personne qui est vraiment pique-sous, qui est vraiment radin, qui se fait montrer, qui se fait voir, parce qu'il a l'argent, mais derrière tout ça, il n'aide personne. Dites-vous, il reçoit cet argent avec beaucoup de pénibilité. Si seulement il avait reçu cet argent avec amour de Dieu, parce que je veux voir au moins le monde, un témoignage que nous voyons, que nous vivons actuellement, nous le savons, il y a un milliardaire, multimillionnaire, l'homme qui a créé Microsoft, un jour dira, moi je n'ai pas demandé avoir beaucoup d'argent comme ça. J'ai étudié
Et voilà, j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je vais distribuer aussi. Et il distribue au moins 60% de ses revenus, de ce qu'il gagne. Vous voyez, ce genre de personnes, il a reçu et il a aussi, il donne aussi. Mais quant à ceux, tu as beaucoup d'argent et tu ne veux pas donner. Tu laisses les gens dans la faim totale. Tu leur prives à manger, à boire. Tu leur prives donc d'avoir une vie sociétale vraiment dans la simplicité, dans l'extrême vital, tout ce que l'homme peut avoir, tu leur prives ça. Et tu te dis que non, j'ai beaucoup d'argent. À quoi ça sert à un homme de gagner beaucoup d'argent et s'il perd son âme? Et ces gens-là ont perdu leur âme et ils n'ont pas de pitié pour les gens qui les entourent. Dans le livre de Luc 14, verset 33, la Bible dit, Jésus dit, le Seigneur dit dans ce verset, « Ainsi donc, quiconque entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Alléluia. Nous voyons ici, Christ nous enseigne. Christ était le roi des rois, le Dieu sur terre, sachant qui il était. Il n'avait ni maison, il n'avait pas d'argent et il n'avait pas de maison. Et il ne se gênait pas de dire non, l'argent ne peut pas, moi je ne peux pas m'associer à l'argent. Bien que l'argent, Dieu dit, l'argent lui appartient. Et Satan, aujourd'hui, utilise l'argent. Utilise l'argent qu'il vole. Je vous dis bien, Satan, c'est un voleur. Il vole aux humains, au peuple de Dieu, pour donner, pour vendre à ceux qui viennent à lui. L'argent n'appartient pas à Satan. La preuve, nous voyons bien des gens qui y vont et ils finissent mal. Et laissent leur argent après leur mort, leur disparition. Et nous remarquons que tout aussi, tout aussi disparaît. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, pour faire très très attention à ce que nous voyons, à ce qu'on nous raconte. Mais sachant que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. La Bible le dit, j'ai cité le verset qui le dit, alors nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Nous allons dire alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir maintenant la dîme, l'offrande et les actions de grâce. Quand on parlera de la dîme ou de l'offrande, c'est vraiment une question évidente que nous devons vraiment nous appuyer là-dessus pour avoir des réponses et de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de Satan, qui nous fait miroiter. Venez vers moi, c'est trop facile. Quand vous venez, je vais vous donner, comme il a fait avec Adam et Ève. Dieu, c'est lui qui donne, bien-aimé dans le Seigneur. Restez comme vous êtes. Dieu te donnera ses dons. Tu en as besoin. Nous ne pouvons donner à Dieu rien du tout parce que c'est là, tout lui appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de matériel. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Alors, on te fait croire que non, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu vas avoir beaucoup de succès, tu vas faire ceci.
Je vous dis que c'est dit l'heure. Satan est là pour juste nous faire miroiter des choses. Mais Dieu, quand il donne, personne ne peut le dessaisir. Quand il te donne, il te donnera et donc c'est lui qui tiendra la gestion de l'argent qu'il t'a donné. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Donc, la bonne conception des choses est que nous pouvons éventuellement restituer à Dieu une partie des biens qu'il nous a donnés. Sois béni, ma petite sœur de sang, Déborah Kobangé, en Hollande, là où tu es, que Dieu te bénisse. Donc, ce qui est vraiment, ce qui est une évidence, de savoir que quand Dieu nous donne, nous devons aussi lui donner au retour. Par ça, on arrivera par des actions de grâce, par des offrandes, par la dîme. Et nous allons maintenant comprendre toutes ces choses-là tranquillement, bien-aimés. Il y a certes une loi de semer et de récolter, et des récompenses pour des bonnes œuvres accomplies. Mais contrairement aux doctrines très populaires sur la prospérité, nous ne devons et ne pouvons jamais agir de façon à ce que Dieu ait la plus petite sorte de dette envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit tout à l'heure au début de notre enseignement, Dieu dit, tout lui appartient. Nous ne pouvons pas dire que non, je donne ceci parce que Dieu me doit, Dieu a une dette, ou moi je paye la dette à Dieu. Non, c'est des recommandations qui ouvrent les grâces. Toutes choses, toute action que nous faisons a une signification et ça nous pousse à aller vers Dieu et à raisonner, à réveiller la mémoire de l'Éternel. Réveiller la mémoire de l'Éternel. Un jour, on en parlera. Réveiller la mémoire de l'Éternel. Dieu a tellement de choses qu'il fait, mais de temps en temps, il faut le réveiller. Comment le réveiller? Je vous donnerai un exemple. Tu as besoin de quelque chose. On verra ça plus tard, parce qu'on dit que les présents corrompent le cœur du roi. Quand tu veux avoir quelque chose, tu veux avoir une grâce, tu veux avoir une satisfaction ou tu veux plaire à quelqu'un, si tu lui amènes un cadeau, il sera content, il va se souvenir de toi. Il dira, oui, voici à quelqu'un qui se reconnaît au bienfait que je lui fais, et il reconnaît, et il vient. Ce n'est pas une corruption, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est juste réveiller la mémoire de quelqu'un par un présent, par un cadeau. La Bible nous dit en cela, dans le livre de Matthieu 3, verset 9, la Bible nous dit, « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu pourrait donc, sans aucune limite, transformer de simples cailloux en chemin de pièces d'or. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de donner. Il avait demandé à Abraham, « Abraham, donne-moi ton fils, le fils de la promesse, Isaac. Donne-le-moi en sacrifice. » Abraham n'avait pas hésité. C'est pour cela que Dieu l'a béni de tous les biens
Et il a fait de lui le père de toutes les nations. Les bénédictions, je bénis, je te bénis et je bénis aussi ta postérité. Je bénis, je te bénis et je bénis ta postérité de génération en génération. Pourquoi Dieu a donné? Pourquoi Dieu a béni Abraham? Il a béni parce que Abraham a obtempéré. Quand Dieu lui a demandé son fils, il n'a pas hésité à lui donner le seul fils qu'il avait. Et c'était aussi le fils de la promesse. Il ne faut pas hésiter, bien-aimé dans le Seigneur. Je te bénis, ma petite Bibiche Mbamba, ma nièce, mon tout, là où tu es, deux fois, là où tu es, que Dieu te bénisse avec ton mari, le chantre de l'Éternel. Zambia Pambola Bino et Sika Bozali na Bruxelles et le Komoke Zangabino te Nambula Oyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous voyons que Abraham n'avait pas hésité et Dieu l'a béni. Donc on dit cela, on dit que Abraham a fait un sacrifice. Abraham a fait une offrande à l'Éternel, une offrande agréable à l'Éternel. Et Dieu l'a béni. Nous allons dans ce sens-là. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu a suscité. Donc, juste une action, juste un geste, juste un fait. Dieu suscite que ton chemin qui était rocailleux devienne un chemin de pièces d'or. Tout simplement parce que tu as écouté, parce que tu appliques la parole de Dieu. En ce qui concerne l'argent, toucher le cœur de Dieu, réveiller la mémoire de Dieu, c'est toujours par des actions de tout ce que nous avons. Le matériel, Dieu n'a pas besoin du matériel, mais l'Église a besoin de matériel. Là où, il y a, si on ne dit pas l'Église, mais les orphelins ont besoin de matériel. Les veuves ont besoin de matériel. Tout cela, ce ne sont que des choses que nous faisons pour réveiller la mémoire de Dieu et que Dieu suscite en nous la grâce, la bénédiction, comme il a fait Abraham. Nous commençons par Abraham parce que Abraham est le père de toutes les bénédictions. Dans le livre de Genèse, nous allons comprendre que ce qu'on parle, des offrandes, on parle de la dîme, on parle des actions de grâce. Ce n'est pas seulement à l'époque de Jésus, ce n'est pas seulement à l'époque de Moïse, mais bien au commencement, lorsque Dieu a commencé ses œuvres, Abraham a fait pour que Abraham ait cette bénédiction, pour que Abraham ait cette ouverture de grâce. Sois béni, sois béni, sois de maman Paulina, là où tu es, la femme de prière, la femme de parole, là où tu es, que Dieu te bénisse. Nzambe a pambolayo, a sembola mokili, a yungula mokili. Oye nyo soto etikali ya kitoko e salepona yo. Oye amabe nyo soto e kende na bisika bikahuka na kombo na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est bien avant. Nous allons lire dans le livre de Genèse 14, verset 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Il bénit Abraham, Melchisedec.
il bénit Abraham. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on parle de Melchisédek, on dit que cet homme-là, on ne sait même pas d'où il est venu, d'où il est. Donc, c'est l'incarnation de Dieu lui-même, en chair et en os, représenté par Melchisédek. Melchisédek a commencé par bénir Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham lui a donné le pain et le vin, bien-aimé dans le Seigneur. Le pain et le vin. Parce qu'il passait, Abraham l'a interpellé pour dire, venez chez moi. Reposez-vous chez moi. Aussitôt, il lui a donné de l'argent. Il lui a donné ce qu'il fallait. Il lui a donné à boire. Il lui a donné à manger. Il lui a donné aussi ce qu'il fallait. Un peu d'argent, de poche. Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on ne vous dise pas de conneries et que vous ne soyez pas non plus dans l'embarras de ne pas comprendre les Écritures. Aujourd'hui, je voudrais que nous sachions tous ce que nous faisons. Dieu récompense toujours. En ce qui concerne l'argent, quand tu dépenses, nous verrons plus tard, celui qui donne plus gagnera plus. Celui qui donne peu gagnera peu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc, Melchisédek a béni Abraham. Dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé de le Seigneur. Tout ce que Abraham avait reçu, Abraham lui a donné la dîme, donc un dixième de ce qu'il avait comme fortune. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici des actes. Abraham a donné le un dixième à Melchisédek. Donc nous voyons. La dîme était une pratique nécessaire et obligatoire au jour d'Abraham. Il fallait plaire à Dieu. Il fallait plaire donc, par des actes, le holocauste, des agneaux, de vaches, donc tout cela. Donc, c'est faisait pour attirer l'attention de Dieu. Je te l'ai dit, n'hésite pas à le faire, bien-aimé dans le Seigneur. N'hésite pas, qu'on ne te trompe pas, puisqu'on apparaît tellement de toutes ces choses. Bien qu'il y a des escrocs, bien qu'il y a de voyous, des bandits, des voleurs qui se sont donné le titre de pasteur et tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans le verset 21, ce qui nous attire beaucoup plus, c'est de tout. Tout, de tout ce qu'il avait. Mais quand on dit de tout, donc il y a aussi, donc ce qui est aussi de ce que son neveu aussi, Lot, avait. Il avait donné aussi, Lot aussi, comme aussi offrande. À cette époque, lorsqu'il a donné à Melchisédek, Lot était capturé, bien-aimé dans le Seigneur. Lot était à Sodome et à Gomorre. On l'a vendu, on l'a maltraité. Lot était en captivité, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que Abraham ait la bénédiction, pour que Abraham ait la force, la puissance de vaincre ses ennemis, Abraham a donné un dixième de tout ce qu'il possédait. Dans le livre toujours dans Genèse 14, nous poursuivons dans 22-24, nous allons voir ce que dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni, maman Ernestine Lemba, là où tu es, Zambé Apambolayo,
Zambe asunga na mateya oyoyo ezala pona yo vraiment moyen moko yako salaka bikamwa kana vina yo parce que moto akosaka moto aza moto mabe moto le cœur de l'homme est méchant donc yo elobina le baranza mende yango na Rolanda alors na lobby na boye tozo kende kaka toujours na livre ya Genèse tozo kutanga 14, 22, 24. Et nous allons lire, nous allons comprendre ce que c'est donner et ce que c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Partagez pour que le peuple de Dieu partagez cet enseignement. Il est très important que le peuple de Dieu soit ouvert. Il faut que leur esprit soit ouvert. Qui n'est plus crainte d'aller dans des églises ou de questionner les pasteurs, parce que nous allons arriver là, d'interpeller les pasteurs pour de mauvaises pratiques, de faire de l'argent comme des doctrines. Il faut que le peuple de Dieu soit ouvert, c'est leur esprit. Je veux ouvrir, sauver les âmes. Sois béni, maman Rebecca Kavulu Lao Zali. Oh, ma sœur à moi. Sois béni. Zambe apambolayo li bota mobimba. Zambe apambolayo mbula oyo ezala mbula. Yaba grâce ya minene parce que toujours kota na kati ya lignée Abraham. Et si Abraham a pesa maka bénédiction, aba pambola ka ekote biso peto zala na li pamboli. Yamana toujours kende ko arracher ango na oyo nyosto ennemi azwaki. Mbula oyo ezala mbula moko ezala na bikamwisi na basenema oyo toza kozwa Nzambe apambola biso. Alors je lis au nom du Seigneur, verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Bien-aimé dans le Seigneur, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé le jeune Jean et de la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Etchkol, Amré. Eux, ils prendront leur part, bien-aimés dans le Seigneur. Abraham ne s'attendait pas à la fortune, à la richesse du roi de Sodome. Abraham était déjà béni. Abraham croyait déjà à la bénédiction de Dieu, parce que Dieu l'a béni. Melchizedek l'a béni, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es béni déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que quelqu'un, il ne faut pas croire aux personnes. Les gens, tu ne sais pas là où il a trouvé son argent. Et l'argent, quand la personne te donne l'argent, la personne dira, ah, c'est moi qui l'ai fait. Comme on dit, on attend très souvent. Ngab na salaye. Nyom to salangay. Kopesi ngambongo, na fructifiango, na sali ba commerce nanga et réussir. Olobi nanga siko, ok, là où tu es, partout tu vas véhiculer. Que non, yom tout salangai. Abraham a refusé. Pour n'a que balobake, basalaye. Nzambe ne a sala Abraham. Donc, n'enge le kola nzambe a sala yo, bien aimé. Nzambe a sala na ba bénédiction yonso. Mais tout ça ko bongi sa bénédiction na biso po e pa wapi. Et si ka o tout ça ko kende, baza ko kosa biso na bilanda na na pe na biloba loba, bien aimé dans le Seigneur. Satan Moussa Naemo Yibi, il ne vient que pour dérober et détruire. Azane loko mokote ya kela, azane loko mokote ya sala, il n'a rien Satan. Donc le début de notre enseignement, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tous ceux qui vivent, non surtout ça qu'on vivre na kata mokilo ezaya yé. Moto à mon kilo européen, ça y est, si maintenant on va dire qu'on l'oba, Naza qu'on l'oba na yo.
Donc, Nzambe, Azali, Nzambe, Oyayo, Oyazali, le Dieu très haut, le Dieu Oyazana Makambu, Oyebele, Oyokanamina, ya Pambolio. Nere tozo lo baboye, ezanga yote, koye bagate, nzambe, lukaka ka ozala na onetete, kozala no presete, yako yiba, kozala no presete, yako bomamutu, kozala no presete, yako sala babe pono zambongo. Mayele nzambe apesa biso, apesa ngo pona to develope, mwa muke, ukamba peso likelele, ukomisi yango nzoku. Likelele, bamba, mutu apesa kiyo, ezalagi likelele. Metango a baluki boe a ekokuta yo okoma na nzoku okoma na elephant bien aimé dans le Seigneur. Alors les gens sont comme ça bato bazo zo bambongo ba kisi akopesa yo ngo wana ayebi mukoloni na opesa yo o senye mongo lundi ye akopesa yango jeudi. Parce que Katim Bakamatim Bongo on a côté si en mode Makamunae. Moula pesa yo, Isaque Pona somba yo, a pesa yo pambate. Il faut que a récupéré quelque chose. Ya yo de konangai. J'ai vécu ce cas en live. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nzambe Azala, bénédiction na yo. Nenga pambola Abraham, nenga pia ko pambola yo de konanga. Donc, on en voit que Abraham n'a pas voulu, n'a pas accepté. Il a dit, c'est, voilà, les gens qui ont marché avec moi, les gens qui sont avec moi, qui ont combattu avec moi, les gens qui étaient avec moi, ils recevront leur part. Mais Ngaï Nzambe, assis à Pambolanga, dans l'unité Oya Golobake, Ngane na Pambolio. Zala honnête, Ndima le Pambolio Nzambe, au moment de mon nom de Nzambe, bien-aimé. Et nous verrons encore, nous poursuivons encore, toujours dans le livre de Genèse. Il faut tout pendant na Alpha, donc on reçoit qui ça na Omega, et si que Zalinine Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur. Enseignement, il y a kafu. Enseignement, oyo ezako fungola yo, oyo ezako fungola. Les enseignements qui te donnent le moyen de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu a dit cette année, c'est une année de grandes révélations, bénédiction de le Seigneur. Croyez-en, il ne ment pas. Il va te révéler des choses. Pendant que Ozonga, Ozonga Moutou, Ozonga Sima, Okoma Moto, Ozonga Moto, Oyeba, Bilanda Landa, Bikende Kende, Yango Anande, Bazo Kende, Bazo Kende, Okufa, Bazo Kende, Kote, Komiteka. Naba Senema, O déjà Tozui. Mi balé, il a parlé en langue, il a parlé en langue, enseignement, mosusu, oyote, toto ke na ba doctrine, na kati ya église, ba doctrine, makambe belé, oyeza ya nzambe, bazobimisa bato ba nyoka, bazobimisa bato ba mbongo, na poche, baoka mata ba veste, bazobamba batu, bazobimisa makambe belé, ba doctrine, koti na kati, me yoza wana mwana nzambe, ozole ba keoneza ba miracle. C'est pour cela que la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, voici ces peuples, voici cette génération. N'entrera pas, ne verra pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne poursuivent pas la parole de Dieu, mais ils poursuivent les miracles, bien aimés dans le Seigneur. Moïse, ce qu'il avait fait des miracles de Dieu. Akamataki, bâton naé, il avait son bâton qui était la puissance de Dieu. Il l'a jeté par terre. Et Pharaon aussi dira la même chose. Ça, c'est déjà vu. Moi aussi, j'ai aussi mes magiciens. Ils le feront. Ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, les magiciens le font aussi. Ce que Jésus a fait, il l'a fait une seule fois, bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque cas, adapté à chaque cas. Mais là, pour attirer le peuple de Dieu, c'est tout le temps, ça devient une doctrine, une coutume, une habitude. Ça, ce n'est plus des miracles. Obimisanga mbongo na poche. Tozomona ngo ndenge ba banani ba
banane ba magicien ba sala. Alors yo poson dima moi na Nzambe. Comment tu peux accepter ce genre de choses? Dans le livre de Genèse 28 verset 20 à 22 et nous allons dire, nous allons voir. Jacob fit un vœu. Ça, c'est aussi un autre enseignement, mais un jour on reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, on parle de juste de ce que Jacob disait. Jacob, le fils d'Isaac, Jacob, c'est lui qui était l'enfant aussi de la continuité de la lignée d'Abraham. Jacob, c'est lui qui a bâti Bethel. Jacob, donc Bethel, c'est la cité de paix. C'est la cité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où il avait vu les anges monter et descendre. Mais regarde ce que Jacob avait demandé. Jacob, donc, Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, là c'est Bethel, bien-aimé, cette pierre que je pose, la cité de Bethel, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, bien-aimé dans le Seigneur. La dîme de tout ce que tu me donneras. Alors, souvenons-nous alors, Jacob est parti. Ça aussi, c'est notre enseignement. Mais je vais juste tirer dans le verset pour que vous puissiez comprendre. Jacob est parti, il s'est sauvé parce qu'il avait pris la bénédiction d'Ésaü. En réalité, c'est Jacob qui devait normalement être le grand frère, mais dans le ventre de leur maman. Donc c'est Satan a combattu. Satan a voulu arracher la grâce, la bénédiction de Jacob. Mais voilà maintenant, si la grâce-là ne t'appartient pas, ce qui est à toi, comme dit la Bible. Ce qui est à toi, personne ne peut le ravir. Alors, pour que cette grâce, cette bénédiction, la continuité de la lignée d'Abraham s'éternise, il fallait absolument que sa maman fasse la tromperie d'amener un fils qui était digne, un fils qui adorait Dieu, qui était instruit, qui se savait, parce que Rebecca savait qui était normalement l'enfant de la bénédiction. C'est pour cela qu'elle a fait de sorte que ça revienne à Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob, lorsqu'il partait, il s'est reposé à un endroit où il avait vu les anges monter et descendre. Et il dit à l'Éternel, si l'Éternel me donne du pain, parce qu'il n'avait rien, il a fui. Si là où je vais, chez mon oncle, si l'Éternel me donne tout ce qu'il faut, que j'arrange ma vie, à mon retour, à cet endroit que j'ai mis comme monument, je bâtirai à cet endroit la maison de l'Éternel. Alors nous savons que Abraham, Jacob a fait 21 ans chez son oncle Laban. 7 ans plus 7 ans plus 7 ans. Donc la force de Satan. Satan ne voulait pas absolument que Jacob vienne bénir Dieu
pour la grâce, la continuité de la grâce de Moïse, la bénédiction de Moïse s'est perpétuée. Et il a trompé Jacob plusieurs fois. 7 ans, tu vas t'épouser avec Léa. Tu vas t'épouser. Donc, on va passer, c'est notre enseignement, mais on reviendra de ça un jour. Sois béni, maman Mizou, Adolphine, Boumas, là où tu es, Sikozaline, Zambia, Pambolao. Alors, voyez la manigance, quel que soit le temps, quelle que soit la chose que tu cherches, dis-toi si tu la cherches avec foi, dis-toi que Dieu te la donnera, quel que soit le temps. Okiko banda eloko moko na kombo na Nzambe. Associe ton Dieu avec tout dans tout ce que tu fais. Tu verras la gloire de Dieu. Ça peut prendre du temps parce que il y a aussi Satan qui n'aime pas que les gens, quand les gens se confient à l'Éternel, Satan est là pour les perturber, pour les attaquer, pour les combattre afin qu'ils se découragent. Mais Jacob ne s'était pas découragé pour autant. Il a attendu 21 ans. Et il est parti. Vous voyez bien tout ce qui s'est passé pendant son séjour chez Laban. Tout ce que Jacob avait reçu, la richesse qu'il avait reçue, bien-aimé dans le Seigneur. Plus que même la richesse, plus que celle de Laban. Pourquoi? Parce qu'il avait promis. Si Dieu me donne du pain et du vin, donc à manger. Dieu me donne tout ce que j'aurai pour changer ma vie. Lorsque j'aurai cet argent, je donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a été béni. Lorsqu'il a donné, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a donné la dîme à l'Éternel, Jacob fut béni, béni et béni et béni et béni. Nous nous souviendrons, bien-aimés dans le Seigneur, Roboth, les trois puits. Nous nous souvenons, bien-aimés dans le Seigneur, là où il est dit dans la parole, donc étant ma tente, mon champ. Élargis mon champ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la bénédiction était tellement grande parce qu'il avait promis et il a réalisé. Quand tu promets à Dieu, tu dois réaliser. Et Dieu te donnera au retour, bien-aimé dans le Seigneur, ce dont tu cherchais. Tu peux enlever juste la dîme, un dixième de ton salaire, pendant une période. Bien, on va arriver là. Puisque je dis, ce n'est pas obligatoire. Mais je vais te dire tout simplement, dans ta conscience, la Bible dit la conscience. La Bible dit encore que ton cœur soit disposé pour donner. Ne faites pas toutes ces choses-là avec murmure. Toi-même, sachant que tu as quelque chose, tu es en train de poursuivre une démarche, tu es en train de faire quelque chose, que Dieu, que tu veux le concours de Dieu, enlève 1% de ton salaire. Donne, bien-aimé, donne à Dieu, à l'Église, compris dessus. Que c'est ton cœur qui doit donner. C'est ton cœur. Mais ce n'est pas ce qu'on te dit, ce n'est pas obligatoire, bien-aimé dans le Seigneur. Comme les fonds, le pasteur véreux, le pasteur escroc, ils les font. Chaque mois, tu dois donner, comme si tu travaillais pour lui. Mais toi-même, quand tu donnes aussi, est-ce que tu es en train de demander quelque chose à Dieu? Tu dois demander quelque chose à Dieu. Et tu dois réveiller la mémoire de Dieu en faisant la dîme, bien-aimé dans le Seigneur, en faisant la dîme, 10% de ton salaire. Tu as sué pour avoir cet argent.
Tu dois parler, Seigneur, Talambongo Nangai, Yamotoki. Joseph, Jacob a travaillé pendant 21 ans. Et il a donné ce qu'il possédait, un dixième de ce qu'il possédait. Et il a été béni, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été béni. C'est des recommandations, c'est que la Bible dit des recommandations perpétuelles. Donner la dîme est une pratique nécessaire au jour de Jacob. Il faut le savoir. Bien avant que la loi soit donnée à Moïse, mais il y avait déjà la dîme. Cette loi, aujourd'hui, pourquoi Dieu a instauré la loi? Il a dit ça à Moïse. Parce que le cœur de l'homme, Satan a combattu, bien-aimé de l'être. Donc, le peuple de Dieu a vécu chez Satan, dans la maison de Satan, là où il y avait des pratiques, là où il y avait de l'occultisme, il y avait des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Et il fallait leur donner des principes, il fallait leur donner une loi à suivre absolument. Mais je te dis, nous revenons maintenant dans la simplicité, parce que Christ a banni toutes ces choses-là en se sacrifiant. Mais il faudrait quand même que nous gardons avec nous les recommandations perpétuelles pour recevoir la loi du donner et du recevoir, bien-aimé de la Seigneur. Tu donnes, tu reçois. Quand tu as besoin de quelque chose et que tu cherches quelque chose, n'hésite pas de prendre un dixième de ton salaire et tu vas donner ça pour le compte de l'Éternel. Et tu diras, Seigneur, voici ce que je t'amène, mon salaire, ma sueur, pour que tu me fasses grâce à une telle chose. Dieu te donnera ça au retour. Tu réveilles la mémoire de Dieu. Alléluia. Jacob était une promesse conditionnelle, un vœu avec 5 conditions. Si Dieu est avec moi, première condition. Si Dieu me garde, deuxième. Si Dieu me donne du pain à manger, troisième. Si Dieu me donne des habits pour me vêtir, quatrième. Si je retourne en paix à la maison de mon père, ce qui arrivera quelques 25 ans après, bien-aimé dans le Seigneur, 25 ans après. Il a vécu tout d'abord 21 ans chez Laban, 3 ans pour rentrer. La Bible nous dit, lorsqu'il rentrait, son frère Ésaü, lui aussi, il était devenu riche. Il avait la colère lorsque Jacob était parti. Il avait la colère. Mais lorsqu'ils se sont croisés, il a dit, j'ai beaucoup d'argent. Viens chez moi, oh bien-aimé dans le Seigneur. Viens chez moi, je vais te donner tout ce que tu en as besoin. Il répond à son frère, non, mon Dieu m'a béni. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à son frère, mon Dieu m'a béni. J'ai tout ce qu'il faut parce que mon Dieu m'a abondamment béni. Nous nous souvenons encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Jacob arrache cette bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, puisque la bénédiction n'arrivait pas. Jacob attendait que la bénédiction arrive. Et Dieu venait rendre visite à son peuple qui dirigeait Jacob. Et Jacob, un jour, il avait su que l'Éternel était là. La Bible dit, il s'est accroché à l'Éternel. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Et Dieu était dans l'embarras pour dire,
à Jacob, qui s'appelait Jacob, pour lui dire, maintenant tu t'appelleras Israël. Donc la maison de paix, la ville de paix, Bethel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant, c'est là où il lui a ouvert maintenant toutes les bénédictions. Tu dois attendre, tu dois t'accrocher à ton Dieu. Si tu commences quelque chose, demande à ton Dieu, il te donnera au retour. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout, bien-aimé dans le Seigneur. Voici la Bible nous parle d'une manière comme d'une autre. Donc, Jacob donne 10% de tout ce qu'il avait reçu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fortifie dans tout ce que Satan a fait, que les peuples de Dieu sont dispersés dans le monde, sont découragés par ces ministres de voleurs, des escrocs qui prennent des enfants de Dieu en otage pour ne pas leur expliquer. Mais cette année, Dieu m'avait dit, c'est une année de grandes révélations. Dieu va ouvrir les mémoires de son peuple pour qu'il avait dit dans un message, il avait dit, mon avènement est proche, dis à mon peuple que j'arrive bientôt. Il m'a ouvert le don de discernement de la parole et de transmettre sa parole, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te parler de ce que lui me donne de te dire. Je te l'ai dit, si on veut parler de l'argent, voici comment on peut traiter cette histoire de l'argent. Donc, si nous parlons maintenant de la dîme, nous allons voir il y a quatre types de dîmes. Et le but de la dîme dans l'Ancien Testament. Quatre types de dîmes dans l'Ancien Testament. Il faut qu'on te parle, il faut qu'on t'ouvre la mémoire, l'intelligence pour que tu acquières la connaissance bien-aimée dans le Seigneur. La personne ne viendra encore te mentir, te tromper, te dévier dans ta foi. Ils ont cassé, ils ont tellement fait des choses que le peuple de Dieu aujourd'hui n'aime plus, parle du mal de tout le pasteur, de l'église de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, nous aurons tous un jugement. Nous aurons tous un jugement. Mais nous faisons ce que Dieu nous recommande de faire. Cherchons toujours à être agréable, un parfum de bonne odeur à l'Éternel pour que ces jours-là, quand cela arrivera, que nous soyons accueillis auprès de lui. Les gens payaient une dîme générale aux Lévites. Il y a quatre types de dîmes. Dîme générale aux Lévites. Dans le livre de Nombres 18, verset 21. Je donne comme possession aux fils des Lévites toutes dîmes en Israël, pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Quand je parlais hier, on a parlé de cet enseignement de doctrine. On parle aujourd'hui des tentes d'assignation. Ce qui faisait que les gens s'essuyaient leur âme, le jour de sabbat, et venez un an après. Imaginez que vous viviez dans le péché pendant une année. Et c'est ce jour-là fixé que vous irez au temple de l'assignation pour qu'on vous lave les pieds, pour qu'on vous lave la tête, pour qu'on vous sanctifie, pour qu'on vous purifie. C'était ignoble, bien-aimé dans le Seigneur. Voici ce que les gens font aujourd'hui. Ils ont introduit toutes ces choses-là. Lavez les pieds. Faites ceci, faites cela. La Bible dit le temple, on dit bien là, le temple d'assignation, la tente d'assignation. Le but, c'était ça. Mais lorsque Dieu a commencé maintenant à organiser maintenant son église,
Parce que encore, Jésus n'était pas encore là. Mais Dieu commençait déjà à établir les gens comme serviteurs de Dieu. Ceux-là qui étaient des Lévites, ils avaient leur part des dîmes. Ils avaient une part des dîmes générales, de ce que le peuple de Dieu donnera pour l'Église, par exemple, et à l'intérieur, puisqu'ils travaillent là-dedans, comme les pasteurs aujourd'hui. Le pasteur a droit aux dîmes générales. C'est lui qui travaille pour que vous soyez sauvés, pour sauver votre âme. Le pasteur a droit à ces dîmes générales. Il a droit à un dixième de cela, 10%, bien-aimé dans le Seigneur. C'était donné aux Lévites. Toutes les tribus d'Israël, excepté les Lévites, avaient une zone géographique qui leur était désignée en héritage. Mais les Lévites, en récompense de leur travail parmi la nation, recevaient 10% du reste de la population. Les fonctions des Lévites étaient service du temple, inspecteur et conseil en santé publique, force policière et gestion des éventuels conflits, faire respecter la loi, département de la justice, département de l'éducation. Bien aimé dans le Seigneur, le rôle des Lévites. Qu'on ne vous dit pas, bien aimé dans le Seigneur, que le pasteur n'a pas droit de parler de son pays. Qu'on ne vous dise pas que le pasteur, je répète encore ici, que le pasteur, il y a un pasteur là qui dit, un homme, voilà, je ne peux pas même faire attention à lui. Il est en train de dire qui il est, parce qu'il prend en pincette des versets pour se protéger, pour protéger son beefsteak. Mais je te dis, ici, le rôle, les fonctions des Lévites, les fonctions des gens qui gardaient la tente d'assignation, les serviteurs de Dieu, je reprends, les services du temple, inspecteurs et conseil en santé publique, forces policières et gestion des éventuels conflits, faire respecter la loi, département de la justice, département de l'éducation. Alors, qui es-tu, pasteur, pour te dérober des fonctions de Lévite? Donc, tu es un faux pasteur. Donc, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Puisque ce sont des recommandations, ce sont des lois perpétuelles. Si tu es le serviteur de Dieu comme un Lévite, dis-toi ce que toi tu devrais faire. Si tu ne comprends pas encore, toi pasteur, tu te dis que non, toi tu ne peux pas t'occuper de ton peuple, tu ne peux pas t'occuper de ce qui se passe dans ta nation, de tout ce qui se passe, c'est quand tu n'as pas la justice, quand tu n'as pas l'éducation, quand tu n'as rien dans ton pays, et tu te dis que tu n'as pas droit de parler. Donc, tu es un faux pasteur. Je le dis encore, tu es un faux pasteur. Tous les pasteurs qui se dérobent de cet enseignement, qui sont à l'écart de cet enseignement, sont des faux pasteurs. Un pasteur éduque le roi. Un pasteur éduque les autorités. Un pasteur, c'est un conseiller. Quand tu iras voir le roi, tu ne vas pas mâcher les mots. Tu diras comme Élie faisait avec Acab, bien-aimé dans le Seigneur. Tu lui diras ce que tu fais n'est pas bon. Tu dois prendre, ce n'est pas un risque, mais c'est une façon de marcher avec Dieu. Les Lévites étaient donc les services publics et religieux en Israël, soutenus par un système de taxes appelé les dîmes. Ce qui démontre la supériorité de la gestion divine. Car avec seulement 10% des revenus du peuple, les Lévites répondaient à tous les besoins des individus. Ce qui était bien moins coûteux
que nos impôts, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, toi, là, tu t'achètes de maison. Toi, là, des pasteurs, là. Tu t'achètes de maison, tu t'achètes des voitures, tu es, je sais pas, tu es richissime, des avions et tout ça. Tu ne t'occupes même pas des gens qui sont dans ton église. Les gens de ton église n'ont pas de soins. Les gens de ton église ne mangent pas. Les gens de ton église n'ont pas d'éducation. Les gens de ton église n'ont rien et toi, tu t'en fous. Tu es un faux pasteur. Voici comment marche le Lévite. Voici comment marche le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons donner la dîme à l'Église que le pasteur en fasse un bien commun pour le peuple de Dieu. Ceux qui sont dans les besoins sont servis par les Lévites, dont les serviteurs de Dieu. Le Lévite payait la dîme, de la dîme générale au prêtre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Lorsqu'il recevait, les 10% et ils enlevaient aussi 10%, ils donnaient aussi au prêtre. Toi, pasteur, là, tu as des millions, tu as des maisons, tu prends l'argent, donc l'argent de tu as la banque, tu es la banque de ton église. Mais tes pasteurs n'ont pas de maison. Ton pasteur n'a pas de voiture. Tes pasteurs n'ont pas d'habits. Mais toi, tu t'habilles tous les jours. Tu es un faux pasteur. Tu es vraiment un faux pasteur. Tu dois donner 10% de ce que tu reçois aux prêtres, à ceux qui servent dans l'église de Dieu. Dans le livre de Nombre 18, 25 à 31, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur, Aaron, l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Voici Dieu donne. Dieu a donné à Aaron. Ce qui lui revient, Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais Dieu a besoin de nos gestes, de notre geste, de ce qu'il nous demande de faire. C'est ce que nous devons appliquer. Il dit de prendre la dîme générale et la dîme générale de faire des offrandes à l'Éternel. Toi, combien d'offrandes que tu as fait pour l'Éternel? Tu es sorti de chez toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as donné? Seigneur. Voici comment leur comportement. C'est des rapaces, c'est des gens qui ne pensent pas aux autres, mais qui pensent à eux-mêmes. Il faut que j'ai des jeeps. Il faut que j'ai des maisons. À quoi ça sert à un homme d'amasser toutes ces choses-là? Pendant que dans ton église, les gens qui te servent, les gens qui sont avec toi, n'ont rien, mais toi, tu ne te prives pas. Tu dois donner. Tu dois donner aussi l'offrande à Dieu. Et tu comprendras pourquoi tu donneras l'offrande à Dieu et pourquoi tu donneras aussi aux prêtres qui servent dans ton église. Pour qu'il ne manque de rien. Pour que les gens ne soient pas, ne deviennent pas de mendiants. Tu fais de serviteurs de Dieu des mendiants. Il faut savoir que tous les prêtres étaient des Lévites.
les prêtres étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Donc, c'est-à-dire, un serviteur de Dieu est serviteur de Dieu. Mais tu as une tâche que tu es en train d'accomplir dans ta mission, dans ton sacerdoce. Tu peux être Lévite, mais tu t'occupes, par exemple, du service public et religieux. Tu peux être Lévite, tu t'occupes de l'éducation des enfants. Tu peux être Lévite, mais tu ne peux pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu as un rôle que tu joues en faveur de l'Éternel, pour l'Éternel. Les prêtres descendaient d'Aaron et avaient des responsabilités spécifiques en ce qui a trait à l'adoration dans les temples. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième dîme garantissait la sécurité financière du prêtre et protégeait le système du temple. Pourquoi la deuxième dîme? Pourquoi donner aux autres serviteurs de Dieu qui sont avec vous? Pour sécuriser, pour que l'argent qui est destiné à Dieu, l'argent qui est destiné à l'Église, ne soit pas dilapidé, ne te donne pas, suscite de l'envie, du vol, de prendre ce qui est de Dieu, de s'en servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Le peuple gardait une dîme pour payer leur pèlerinage annuel à Jérusalem à l'époque. Comme il y avait des inscriptions qu'on appelle, ou des déplacements, des campagnes. Donc ils gardaient. Donc, cet argent-là était. Il y avait aussi une cellule qui gardait l'argent des déplacements. Quand il y a une campagne, quand il y a une mission à faire, tout ça, l'argent-là se servait pour le déplacement du peuple. Une année, chaque année, il faisait cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, on ne voit pas là où tu amènes, puisque vous avez 10 000 personnes. Pour déplacer 10 000 personnes, il faut avoir des bus, il faut avoir si c'est des avions, il faut louer des avions. Il faut faire ceci, mais il faut que cet argent-là soit disponible. Il faut que cette dîme-là soit disponible dans ton église. Combien de fois, toi, pasteur, que tu te dis richissime, combien de fois tu t'es déplacé le peuple de Dieu? Combien de fois? Nullement, perpétuellement, ils sont là. Sois béni, maman. Odette Kalambay, là où tu es, femme de parole, femme de feu, femme de prière, sois béni, Nzambe, Apambolona, Moussala, Zosala, récompense, Nango, Ezali. Au Pesaka, offrande, Nango, Nabata, Nango, au Pesaka, Pona, Nzambe, Nzambe, Akanisela, yo. Mémoire, Naye, na prière, na Zosala, Pona, yo, Afungola, yo, Nambula, Oyo, au monde, Nambe, Kamisiami, Nene, na Kombo, na Yesu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Deutéronome 14, 22 à 26, voici ce que la Bible dit. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, lorsque ton Dieu s'est t'aura béni. Je dis bien,
Quand tu le fais, tu auras la bénédiction de ton Dieu. Tu auras la bénédiction de ton Dieu. Voici ce que la Bible dit. Peut-être. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh là 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 là. Nous sommes là. Alors, tu échangeras. Non, je réponds. Le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu, tu auras choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es venu avec Maboko Pamba. Mais au Pesaki Dim, Zambé a béni Lyo de sorte que même quand tu retournes, pendant que tu es délocalisé, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal parce que tellement il va te bénir abondamment. Donc tu devras choisir, tu devras déjà te préparer chaque année, avoir dans ton compte, chaque année, quand tu fais la dîme, chaque année, tu dois aussi mettre aussi 10% de ton salaire comme réserve. Le jour que l'Éternel te bénira, tu quitteras ta maison, ta petite maison, et tu iras dans un palais ou dans un château. Tu vas gravir, monter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans les HLM, hein? Tu vas acheter, bien-aimé dans l'Éternel, tu vas acheter un pavillon. Parce que tu as accompli la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit, Dieu ne ment pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, t'aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, de liqueur forte, tout ce que te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, toi et ta famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux m'arrêter ce soir ou je continue? Puis-je m'arrêter ou je continue, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que j'avais dit, on va faire ça. Une heure. Nous avons déjà dépassé une heure. Nous sommes à 1h30. C'est déjà largement suffisant. Nous allons continuer le lundi parce que demain, c'est notre jour d'intercession et notre prière d'intercession. Ceux qui veulent prier avec nous, nous sommes au 39 boulevard Anatole France, 93 200, Saint-Denis, porte de Paris. Vous avez la possibilité d'y accéder par le métro ligne 13. Vous descendez à la porte de Paris. Vous avez la ligne de tram ligne 1. Vous descendez à la porte de Paris. Et vous avez l'RER B et 2, gare Saint-Denis et Stade de France. Alors, en ce moment-là, vous allez des bus 170, 153, 253, 252, 255. Il y en a encore d'autres qui partent dans chaque porte de Paris pour arriver à la porte de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous arrivons à la fin. Nous n'allons pas continuer, pas prendre 2 heures. L'enseignement, je pense que ça a été tellement édifiant et le peuple de Dieu en a profité. Demain, nous avons notre prière d'intercession à partir de 18h et nous allons reprendre notre enseignement de ce que nous devons savoir, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître de l'argent dans l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cela que nous allons parler le lundi et de l'achever le mardi ou
le lundi et le mardi. Nous avons pas encore, nous avons deux jours pour achever cet enseignement de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, profitez de cet enseignement, appelez le peuple de Dieu, distribuez cet enseignement, faites vraiment large diffusion de cet enseignement pour que nous puissions tous bénéficier de cette grâce que Dieu nous accorde en écoutant, en apprenant des révélations sur ce qu'on nous dit de la parole de Dieu de sur l'argent. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas non plus des paroles qui peuvent vous dérouter des enseignements de Dieu, mais faites usage de la bonne de bons enseignements, de la conscience que Dieu nous donne, de réveiller la conscience de Dieu par des dons, par des dîmes, par des offrandes, par des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expliquer, nous allons parler de toutes ces choses-là afin que nous puissions tous gratifier comme au premier jour de la création de la terre en ayant reçu la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et si vous acquiescez la connaissance, n'oublie pas d'honorer celui qui t'enseigne. On viendra dans toutes ces choses-là. Parce que tout cela, tout ce que nous faisons, cela aussi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui pratiquent la parole de Dieu seront toujours bénis. Nous avons vu comment Abraham a été béni. Nous avons vu comment Jacob a été béni. Nous avons vu comment les Lévites sont bénis. Nous avons vu comment Aaron était béni. Et nous allons voir aussi comment nous serons aussi bénis par la grâce que Dieu nous accorde ce soir. Que Dieu nous bénisse et nous accorde qu'il soit notre gardien ce soir avec les anges, son armée céleste campe tout autour de nous, protège nos familles, protège tous ceux qui ont été avec nous ce soir pour suivre cet enseignement. Et à bientôt, Dieu prévoit de bonnes choses pour nous et que nous soyons toujours dans la foi de croire que nous y serons le lundi et que le Satan ne puisse nous séparer de Dieu, de cet enseignement, et que Dieu nous bénisse et à bientôt. Jésus-Christ nous aime et moi aussi je vous aime. Bye bye, à bientôt, remercions notre Dieu par notre chanson toujours, merci Seigneur. Je bénis maman Ernestine Lemba et Sika Ozali, mon frère Godé, tous ceux qui ont participé à cet enseignement. Je vous convie de revenir le lundi à la même heure, 20h30, et nous allons poursuivre cet enseignement. Merci Seigneur, merci encore Papa pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu m'accordes, la facilité d'interpréter ta parole. Merci pour le temps que tu m'as accordé de discernement et d'enseigner le peuple de Dieu. Merci encore pour tout ce que nous voulons. Nous sommes encore, je vous répète encore, nous sommes là demain au Béni de Bethel. Et le dimanche, nous serons là. Il y aura encore des enseignements spécifiques. Le dimanche, c'est des jours que nous profitons de la grâce des enseignements accordés au peuple de Dieu de Béni de Bethel. Si vous voulez participer et venir le dimanche, nous sommes là le dimanche à partir de 16h. À Saint-Denis, porte de Paris, vous avez l'adresse. Que Dieu nous bénisse tous et nous manquons de rien. Dieu nous bénisse. Tu es le même, tu n'as pas changé. Merci.
Merci, merci Yahweh, pour ton amour. Merci Papa, merci, merci, merci Yahweh, pour ton amour. Merci Papa, merci, merci, merci Yahweh, pour ton amour. Merci Papa. Chantons Alléluia et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le nom de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Alléluia, Alléluia, le soir honneur, ou ma banayo, Alléluia. Mama Odette Kalambai, Mama Paolina et Sika Bozali, Zambe Apambola, Bino Zambe Apambola, Afumbole, la Bino de Soso, femme de prière, femme de parole, Zambe Apambola, Bino et Sika Bozali. Le peuple de Béni de Bethel est là où vous êtes, na Lubumbashi, na Kinshasa, et Sika Bozali, Zambe Apambola, Bino, na Kivu. Béni de Bethel, Bot Pambolama. Bye, à bientôt, à bientôt, à lundi. Bon week-end à vous. Je vous aime comme Josie nous a aimé les premiers. Je vous aime. À bientôt. À bientôt. Bye bye.